Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti alla presentazione così numerosi, sia i presenti che i collegati. Siamo qui per la presentazione del secondo nuovo acquisto della campagna di rinforzamento di gennaio. Si tratta di Jérôme Anguené, è un ragazzo del 97, è venuto qui per dare una mano al Genoa e gli faccio l'in bocca al lupo e il benvenuto qui nel club. Lascio la parola a lui, che è il protagonista della serata. Grazie. Alors, bonjour, et je te demande avant tout ce qui t'a poussé à accepter et à choisir le Genoa et qu'est-ce que tu vas t'attendre de cette aventure dans le foot italien? Bonsoir ou bonjour. Bon, maintenant, ce qui m'a poussé à venir ici au Genoa, déjà le Genoa c'est un très grand club, un club historique, je crois le plus ancien club ici en Italie. Et c'est une équipe qui correspond à mon style de jeu. Défensivement, c'est une équipe qui défend très bien. Donc pour moi, c'était une très bonne opportunité de venir jouer ici. Et je suis venu avec une très grande envie. Beh, per dire che cosa mi ha spinto a venire a Genova, innanzitutto il fatto che il Genoa sia un club storico, il più antico club italiano, e poi anche dal punto di vista del gioco ha un tipo di difesa che è molto confacente ai miei gusti, quindi la considero una grande opportunità e sono molto contento di essere qui. Ciao Gerò. Maurizio Moscatelli, ANSA Repubblica Tuttosport. Senti, tu hai detto che ti piaceva il tipo di difesa del Genoa, ti trovi bene nella difesa 3, qual è il tuo ruolo naturale? Raccontaci un po' che tipo di difensore sei. Bonsoir Jérôme. Alors, tu viens de dire que tu as eu une bonne impression de la défense du Genoa. C'est une défense à 3. Et alors, on te demande un peu quel est le type de défense que tu préfères. Je n'ai pas de préférence, c'est-à-dire par le passé, au Red Bull Salzbourg, j'ai déjà pu jouer avec une défense à 3, j'ai déjà joué avec une défense à 4. Donc voilà, maintenant pour moi, ce n'est pas un problème de jouer avec une défense à 3 ou une défense à 4. J'ai pu, par le passé, comme j'ai dit, jouer dans les deux systèmes différents. Donc je pense que c'est très bien pour moi. Devo dire che non ho preferenze particolari tra una difesa a 3 o a 4. In passato ho giocato con entrambi i sistemi di difesa e mi sono trovata bene in entrambi i casi, quindi direi che non ho preferenze. Ciao Jerome, Andrea Pirs, tuo Mercato Web. Ti chiedo qual è stato il tuo impatto con il gruppo e come ti hanno accolto i compagni. La question concerne l'atmosphère dans l'équipe et dans le groupe. Donc, comment les autres coéquipiers t'ont accueilli et quel a été le premier impact avec le groupe? Sérieusement, j'étais très impressionné par le groupe quand je suis arrivé. Ils étaient tous gentils, ils m'ont tous bien accueilli. Dans l'équipe, il y en a quelques qui essayent de parler français avec moi, essayent de m'aider. Donc, mon intégration se passe super bien et je pense que d'ici quelques semaines, je me sentirai beaucoup plus à l'aise. Qui molto sinceramente devo dire che ho avuto una impressione stupenda dall'accoglienza che mi ha riservato il gruppo. Sono tutti gentili e devo dire che c'è anche qualcuno che si sforza di parlarmi in francese, quindi la mia integrazione sta andando veramente ottimamente e spero che tra qualche settimana tutto sarà perfetto. Benvenuto Jérôme, sono Giovanni Borgella, Primo Canale. Tu arrivi da un club importante perché Salisburgo, insomma, Champions, Coppe Europee, eppure sei arrivato in una squadra che in questo momento è in difficoltà. Che passaggio è stato per te, per la tua carriera e che cosa speri in questa stagione qui in Italia? Di crescita, qualcosa di tuo personale? Alors, Jérôme, tu arrives d'un club
de très haut niveau, participation au championnat et aux coupes européennes. Ici, tu as une équipe qui maintenant a quelques difficultés. Donc, quelle est ton impression de ce passage, de ce transfert, et qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu souhaites de cette expérience en Italie? Déjà, je pense que dans cette équipe, il y a de très bons joueurs de très haut niveau. Et voilà, maintenant, moi, mon passage au Red Bull Salzbourg, je vais me servir de cette expérience que j'ai eue. J'ai pu faire des matchs, comme ils l'ont dit, des matchs de Champions League. Je me servis de cette expérience pour essayer d'apporter ce que moi je peux apporter à l'équipe. Et je sais que cette équipe peut aussi m'apporter beaucoup. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer et aller de l'avant. Voilà. Devo dire che nel gruppo, nella squadra, ci sono sicuramente alcuni elementi di altissimo livello e l'esperienza con il Salisburgo mi aiuterà sicuramente, perché ho imparato molto e sarà un qualche cosa che io cercherò di utilizzare per apportare quello che posso al Genoa, e allo stesso tempo avrò l'occasione anche di imparare molto, e penso che questo sia un po' il segreto per cercare di avanzare e andare avanti. La parola ora ai giornalisti collegati in videoconferenza. Prima domanda a Marco Lollobrigida, Rai. Prima di tutto benvenuto in Italia. Poi, a proposito di Italia, hai indossato, eri piccolo, la maglia dell'Inter in Camerun, quelli che erano i campus, poi hai vinto anche il Mondiale Under 19 contro l'Italia, c'era l'Italia nel tuo destino, mi sembra di poter dire, no? Questi sono precedenti che ti favoriscono, diciamo così. Oui, avec l'équipe de France en jeune, j'ai eu cette chance d'aller en finale du championnat d'Europe U19 où j'ai affronté l'Italie, voilà, c'est vrai. Et aussi l'année d'après, en Coupe du Monde U20, j'ai pu encore rejouer contre l'Italie où cette fois-ci on a perdu. Donc on va dire que c'était un peu le destin que je me retrouve ici en Italie, ouais. Beh sì, diciamo che ho dei trascorsi con l'Italia, perché con la Francia sono arrivato in finale nel campionato mondiale Under 19 e avevamo battuto l'Italia, e poi l'anno dopo con l'Under 20 abbiamo di nuovo incontrato l'Italia e quella volta abbiamo perso. Quindi diciamo che sembra che l'Italia fosse già nel mio destino. Ora la parola a Riccardo Re, Sky Sport. Ciao Jerome, benvenuto. Hai raccontato di aver visto e di aver conosciuto, di essere in qualche modo anche un po' ispirato da alcuni difensori italiani. Io ti chiedo invece se ti è capitato di vedere qualche partita del Genoa in questi anni, e magari anche quando hai capito di poter arrivare al Genoa, se hai iniziato a seguirlo da distante, le idee che ti sei fatte. Dire que tu t'es inspiré de quelques défenseurs, ou quand même que tu connaissais déjà de quelques défenseurs italiens du passé, alors je te demande si par hasard tu avais déjà vu des matchs du Genoa par le passé, ou si dans l'attente d'arriver à Gênes tu as eu l'occasion de voir un peu le jeu du Genoa. Bien sûr, par le passé j'ai déjà regardé des matchs du Genoa, bien sûr. Et aussi dans l'attente d'arriver ici à Gênes, j'ai pu regarder le match contre Bologne. J'ai regardé le match contre la Juventus. Et vraiment, c'était des très bons matchs. On a vu que voilà, le Genoa a très bien joué contre la Bologne et aussi contre la Juventus, qui est une grande équipe ici. Donc, j'ai regardé des matchs et bien sûr, j'ai pu regarder comment l'équipe joue.
Sì, certamente avevo già avuto occasione di vedere qualche incontro, qualche partita del Genoa, e adesso proprio mentre ero in attesa di trasferirmi qui ho guardato le partite contro il Bologna e contro la Juventus. Mi è sembrato, soprattutto nella partita contro il Bologna, che la squadra avesse giocato proprio bene. Ora parola a Lollobrigida Rai. Sì, mi scuso perché ne avevo un'altra in realtà. In realtà erano due, ma sul Salisburgo già ti hanno chiesto giustamente. Ho letto che tu hai due miti, Superman tra i supereroi e LeBron James invece tra le stelle dello sport, no? Superman che è molto schivo, si nasconde, insomma, e aiuta con una maschera poi in realtà. LeBron James invece è uno che utilizza molto la sua immagine nell'impegno sociale, lo sappiamo. Quale dei due ti intriga di più? A quale dei due, insomma, senti di appartenere di più come figure? Alors, j'ai lu que tu as deux personnages mythiques que tu aimes particulièrement, tout particulièrement. Donc Superman, qui est un peu plus réservé, qui utilise un masque et qui reste un peu de côté, et LeBron James parmi les étoiles sportives. Lui, il est bien plus ouvert, il a un engagement social poussé que l'on connaît. Et donc ma question est, à quel de ces deux personnages tu te sens plus proche, plus rapproché? Je dirais plus Superman, parce que j'ai ce côté vraiment très réservé, où voilà, je on va dire un peu timide, voilà, je suis un peu, j'aime rester dans mon coin, et j'ai ce côté-là. Après, comme on va dire comme Superman, quand il s'agit d'aller au front, bah là c'est ce côté réservé et timide en va, et voilà, et je me pose plus de questions comme dans un match de foot. Dès le moment où il s'agit de jouer, bah c'est loin. Le Jérôme timide, il est à la maison, et là c'est autre chose, quoi. Ça c'est vrai. Tra i due direi che mi sento più simile a Superman, nel senso che anch'io ho questo carattere un po' riservato, un po' schivo, direi quasi timido, mi piace stare un po' in un angolo, però quando si tratta poi di giocare, di partire, diciamo, per andare al fronte, a quel punto il Jerome timido resta a casa e quindi esce fuori poi invece la voglia di combattere. Sì, ne posso avere un'altra? Prego. No, soltanto perché giustamente su Koulibaly, per carità, molto corretto, al di là dei difensori, no? Chi è stato il calciatore che ti ha ispirato da bambino? Eto'o, per esempio, faccio un esempio magari banale, quello più scontato. Qual è il calciatore che più di ogni altro è stato per te un esempio, e cosa è significato il calcio comunque per un ragazzo africano, no? Un ragazzo come te che certamente aveva quel sogno bambino, quel sogno che cullavi. Donc, à part Koulibaly, je me demandais s'il y a des footballeurs du présent ou du passé qui t'ont inspiré tout particulièrement, et qu'est-ce qu'a été le foot pour toi, en considérant que tu vivais en Afrique, et donc quel type de rêve a représenté le foot pour toi en tant qu'enfant? En tant qu'enfant et en tant qu'enfant qui est né et a grandi au Cameroun, on est un pays qui aimons beaucoup le football, qui regardons beaucoup, beaucoup, beaucoup le football. Donc, par le passé, quand j'étais petit, si je prends l'exemple des défenseurs sur qui je m'inspirais, je veux parler déjà de Rigaud Berson, qui est pour moi un très grand défenseur par le passé, qui a joué en équipe nationale du Cameroun. Et je peux dire Puyol. Puyol, c'est l'un des défenseurs aussi que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. Donc pour moi, c'est ces défenseurs-là par le passé dont je me suis inspiré, dont j'ai beaucoup regardé. Et aujourd'hui, maintenant, je regarde plus des défenseurs comme, j'ai dit, Koulibaly, Sergio Ramos, Thiago Silva, qui je pense qu'ils sont aussi...
qui jouent un peu comme les défenseurs par le passé, Ferdinand, Puyol et da bambino naturalmente avevo dei modelli o comunque dei calciatori a cui mi ispiravo, come Puyol, come Berson, se ho capito bene, questi facevano parte, diciamo, dei miei eroi da bambino. Oggi come oggi, guardando invece i difensori di oggi, Ramos Silva, Koulibaly, di cui ho già parlato, sono tra i calciatori che seguo con particolare attenzione, perché secondo me giocano un po' ricordando qual era il gioco dei difensori del passato. Parola ora a Davide Bernardi, DAZN. Ciao, buongiorno. Prima hai parlato di supereroi. Io non parlo di supereroi, ma quasi. Nel senso che arrivi in un campionato dove ci sono Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku. So che nella tua carriera, anche se solo in allenamento, hai avuto la possibilità di confrontarti con giocatori come Mbappé, come Haaland. Quindi ti chiedo, da difensore giovane, se anche un po' come sogno, qual è l'attaccante che hai voglia di affrontare, con cui vuoi confrontarti in Serie A? Tu as eu bien sûr, tu trouves maintenant ici en Italie des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ou Lukaku. Et dans ta carrière, tu as eu l'occasion de connaître Mbappé, Hollande et d'autres encore de très haut niveau. Et alors, je te demande maintenant, étant donné que tu es encore si jeune, quel est l'attaquant que tu apprécies, que tu as pu particulièrement apprécier dans ta carrière jusqu'à présent? Je n'ai pas très bien compris la question. Tu as eu l'opportunité de connaître beaucoup de champions de très haut niveau. Oui. Et tu nous as parlé de défenseurs, de grands champions. La question concerne les attaquants que tu as pu rencontrer dans les équipes que tu as rencontrées. S'il y a des attaquants dans le foot que tu aimes tout particulièrement? Bien sûr, il y en a. J'ai eu la chance de jouer avec des très grands noms, des grands attaquants aujourd'hui, comme il a dit, Kylian Mbappé, Haaland, Ousmane Dembélé. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'arrive dans un championnat où il y a des très très grands attaquants, comme il a dit, Ibrahimovic, Ronaldo, Lukaku. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est de prendre, comme il a dit, je suis encore jeune, c'est d'apprendre, et apprendre tout en respectant et en ne pas respectant ces joueurs-là. C'est des joueurs aujourd'hui, c'est des joueurs que je respecte beaucoup, car voilà, ils ont beaucoup fait dans le monde du football, mais je pense que sur un terrain de foot, quand on arrive sur un terrain de foot, il n'y a plus d'histoire de respect. Il y a juste moi contre un autre joueur, tout simplement. Come hai sottolineato correttamente, ho avuto la possibilità di giocare, di conoscere giocatori come Mbappé e altri. Arrivo adesso in un campionato con le stelle dell'attacco a cui si è fatto riferimento. Da tutti questi ho sicuramente e avrò l'occasione di l'opportunità di imparare. E ho sempre nutrito un grande rispetto e ho rispetto per questi campioni. Devo dire che però nel momento in cui si arriva sul campo da gioco il rispetto non c'è più, nel senso che sul campo si deve andare oltre il rispetto e cercare di contrastare questi attaccanti. Ringraziamo Davide Bernardi, parola a Simone Rovera, collegato dalla Francia. Oui, bonjour Jérôme. Je voulais savoir, ça fait maintenant quelques mois que tu joues plus en tant que titulaire. Dernière titularisation, c'était le 5 décembre dans les championnats autrichiens.
Un petit point sur ta condition physique. Est-ce que tu penses pouvoir débuter un match déjà du week-end ou tu auras besoin de temps pour être 100% à disposition du coach? Bonsoir. Ah, ok. Da qualche mese ormai non sei stato sempre titolare in Austria e quindi la domanda riguarda la condizione fisica. Qual è la tua condizione fisica attualmente? E pensi di essere già al 100% o pensi di avere bisogno di un po' di tempo prima di arrivare al 100% per essere a disposizione della squadra? Bonsoir, oui, du coup, par rapport à votre question, ouais, c'est vrai que sur mes derniers mois, j'ai pas beaucoup joué avec le Red Bull Salzbourg. Mais après, je me sens très bien physiquement, je suis en forme. Je peux dire même que je suis au meilleur de ma forme à l'heure actuelle. Donc, si le coach il a besoin de moi, je serai prêt à 100%, sûr. Sì, è vero che non, negli ultimi mesi non ho giocato moltissimo a Salisburgo, però quello che posso dire adesso è che la mia forma fisica, mi sento perfettamente in forma, fisicamente sto molto bene e direi che sono al top delle mie condizioni, per cui se il mister avrà bisogno di me io sono pronto al 100%. Bon, je profite pour une deuxième question, Jérôme. Tu as débuté donc ces 10 dernières minutes face à l'Atalanta. Est-ce que tu t'attendais ça, un match difficile, un adversaire compliqué? Est-ce que tu t'attendais de jouer 10 minutes très importantes pour Genoa pour obtenir ces résultats? Et ça t'a surpris, ça te fait plaisir d'avoir eu cette confiance immédiate du coach? La domanda dice: hai giocato gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti nella partita contro l'Atalanta, che era una partita particolarmente difficile, spinosa, quindi la domanda è: te lo aspettavi? Ti aspettavi questa dimostrazione di fiducia immediata da parte dell'allenatore e ti ha fatto piacere? Oui, bien sûr, ça m'a fait plaisir. J'avais déjà parlé avec le coach avant le match. Le coach m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je me sentais très bien, du coup il m'avait demandé de me préparer, que voilà, j'aurais à tout moment je peux rentrer. Donc je me suis préparé pour cela et je suis rentré où l'équipe avait le plus besoin de tenir le score. Donc je suis content d'avoir pu aider l'équipe à ramener ce match nul contre une très bonne équipe. Sì, devo dire che con il mister ne avevamo parlato prima dell'inizio della partita e io gli ho confermato di sentirmi perfettamente bene e quindi lui mi ha detto di tenermi pronto perché in ogni momento avrebbe potuto esserci bisogno di me. E quindi questo è quello che è successo e sono entrato proprio nel momento in cui c'era bisogno assolutamente di tenere il risultato e sono stato estremamente soddisfatto di questo. Ringraziamo Simone Rovera, ora gli ultimi due interventi, il primo da parte di Marco Tripodi di calciomercato.com. Ciao Jérôme, benvenuto in Italia, io volevo chiederti questa cosa, da Genova sono passate due glorie del calcio camerunese, ossia Samuel Eto'o e Oman Bik, anche se hanno giocato ovviamente con la maglia della Sampdoria, volevo capire se hai mai parlato con loro, in particolare se hai parlato con loro di questa tua avventura a Genova. E poi volevo sapere se eri parente di un'altra vecchia gloria del calcio camerunese, ossia Jamanga Ungwene. À Gênes, ou ici à Gênes, même dans l'autre équipe, même assis dans l'autre équipe de Gênes, nous avons eu deux joueurs camerounais par le passé, Oman Bik et Samuel Eto'o. Et donc je te demande si tu as eu par hasard l'occasion de parler avec eux de leur expérience ici à Gênes. Et une autre question plus personnelle, si par hasard, si tu es de la famille de Jean Manga Ongené. Je ne suis pas de la famille de Jean Manga Ongené et je ne suis pas de la génération de ceux qui ont joué ici par le passé, donc j'ai pas pu échanger avec eux par rapport à la vie ici. No, dunque purtroppo non sono parente di Jamanga Ungené e neanche per una differenza generazionale non ho avuto occasione di parlare con i giocatori camerunesi che mi hanno preceduto negli anni qua a Genova.
un'altra cosa, volevo chiedergli perché ha scelto il numero 25, che tra l'altro è stato indossato prima di lui al Genoa anni fa, un suo connazionale, ossia Patrice Feussi. Chiediamo di ripetere l'intervento perché c'è stato un problema audio e non si è sentito. Chiedevo perché ha scelto il numero 25. La question c'est pourquoi tu as choisi le numéro 25. Le numéro 25 parce que il y a vraiment pas de raison particulière de mon choix du numéro 25. Mais après avoir réfléchi, j'ai fait mes débuts professionnels au FC Sochaux qui se trouve dans la région du Doubs en France, et le numéro de la région c'est 25. Bon, c'est le petit truc. Voilà. J'ai dit le numéro 25, il n'y avait pas au début, il n'y avait pas de raison particulière. J'ai pris ce numéro parce que voilà, il n'y avait plus beaucoup de numéros et c'est un numéro qui me plaisait bien. Aussi parce que où j'ai débuté mes débuts professionnels, c'était au FC Sochaux. Et le FC Sochaux se trouve dans la région du Doubs en France. Et le numéro de la région, c'est le 25. Devo dire che non ci sono motivi particolari perché ho scelto il 25. In effetti non c'erano neanche tanti numeri disponibili. E poi ci ho un po' pensato sopra e alla fine ho scelto il 25, che è il numero del dipartimento in cui ho debuttato in Francia. Ringraziamo Marco Tripodi. Ora l'ultima domanda da parte di Lorenzo Semino. Buon calcio a tutti. Sì, ciao Jerome, benvenuto. Come dicevamo, dopo aver incontrato tra Francia ed Austria astri nascenti come Haaland, Mbappé, Dembélé, ora arrivi in un campionato dove si cura molto la tattica difensivamente come la Serie A. Quindi io ti chiedo, dove pensi di poter migliorare difensivamente tattica, proprio a livello tattico? E a proposito anche, hai già detto di aver giocato in una difesa da tre in passato, ma io ti chiedo dove preferisci giocare, destra, come abbiamo visto dire a Bergamo, a sinistra, o dici tu se hai qualche preferenza. Et Jérôme, nous avons déjà dit que tu as eu l'occasion de rencontrer des joueurs fantastiques en France et en Autriche avant de venir ici. Tu arrives maintenant dans un championnat où il y a une forte empreinte de la tactique de la défense. Et donc, je te demande s'il y a des côtés tactiques de la défense que tu penses améliorer ici. Et si tu as une préférence, par exemple, pour la défense à 3, et dans la défense à 3, si tu préfères côté droit ou côté gauche. Déjà, je pense que tactiquement, comme vous l'avez mentionné, l'Italie, c'est un championnat qui joue très tactique. Et je pense que je vais beaucoup apprendre tactiquement, surtout ici, dans un club comme le Génois, je vais beaucoup apprendre tactiquement. Et après, j'ai pas de préférence au niveau des postes si on joue à trois derrière. Voilà, que ce soit. Après, c'est vrai que vu que je suis croatier, c'est plus défenseur central ou défenseur à droite. Mais j'ai pas de préférence. Où le coach il aura besoin de moi, je jouerai et je donnerai le meilleur de moi. L'aspetto tattico della difesa qua in Italia ha una grande storia e c'è moltissimo da imparare ed è quello che penso farò proprio qua a Genova. Per quanto riguarda la preferenza, devo dire che non ho una preferenza particolare, per cui in effetti a destra o a sinistra, dove il ministro deciderà che servo, io naturalmente sarò disposto a giocare. Grazie a Jérôme Onguené, grazie a tutti, la conferenza è terminata.